Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire la fameuse basbousa. Alors, dans l'immédiat, je vais commencer, hein. J'espère que vous vous portez bien, bien sûr. Et je voulais vous remercier pour vos 200 vues, 200 abonnés. Merci beaucoup et j'espère que d'autres aimeront mes recettes et qui pourront les partager avec vous également. Voilà, pour cette basbousa, je vais faire. J'aurai besoin de 60 g de lait en poudre que je vais mettre dans la casserole parce qu'on va le faire revenir. 125 g de semoule fine, genre finot. Et 50 g de noix de coco. Je vais le faire dorer sur le feu. Faut pas essayer de mélanger. Hein. C'est comme si on torréfiait en fait la farine, la semoule, lait en poudre et la noix de coco. On va continuer comme ça jusqu'à ce que vous allez voir la couleur que ça va donner. Vous voyez, ça a déjà changé de couleur par rapport à la première couleur. Donc on continue, hein. Faut bien prendre en dessous. J'ai changé de poêle pour avoir plus de place. Suivez bien en dessous. Mettez le feu moyen, pas trop fort. Faut vraiment pas arrêter de touiller, hein. C'est important. Sinon, vous voyez la couleur? Je vais diminuer un petit peu le feu. J'ai diminué le feu pour voir si c'était bon. Ma foi, c'est bon, je vais arrêter. Alors, vous voyez, je suis encore en train de tourner parce que comme là, c'est une poêle qui garde la chaleur. Vous voyez, la couleur, elle est belle. C'est une belle couleur. Ça donne un petit truc comme ça. Vous voyez? Voilà. Alors, on va mélanger deux œufs. Ça,
110 grammes de sucre de canne. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser l'autre sucre. Vous pouvez mettre plus si vous aimez le sucré. Une petite pincée de sel. Ensuite, 180 g de crème fraîche. ml de lait froid, bien sûr. Ensuite, je vais incorporer tout doucement mon mélange coco, semoule et lait en poudre, tout doucement. Si vous avez prévoir des amandes effilées, hein. Bon, je les ai pas mis là tout de suite, c'est pour la déco, pour après. Et on met la levure chimique en dernier. Une levure chimique. J'ai dit, je l'ai allumé depuis avant. Donc, il est là. Celui-là, c'est 24 cm, je pense. Vous mettez votre poule, vous mettez votre et vous avez un ciseau. Vous purez, hein. Voilà. Je vais mettre un petit peu de farine. C'est fait, vous mélangez encore un petit coup. On verse le tout dans le moule et on va mettre à cuire pendant 12 minutes à 170 degrés. 12 à 15 minutes, faut surveiller toujours. Toujours surveiller. À tout de suite. Alors, je vous présente ma basbousa. Voilà, en Russie. Elle est belle, belle couleur. Je vais la démouler. Elle est bien moelleuse sur le haut. Bien moelleuse. Hop. On met là-dessus. Voilà. Je vais mettre un petit peu de miel pour pouvoir mettre les amandes par-dessus.
Pendant qu'elle est encore un petit peu chaude, comme ça les amandes y se collent. Et ensuite remettre nos amandes. Alors voilà, j'ai laissé un petit peu refroidir, je vais couper. Vous voyez comme elle est moelleuse, mashallah. Je vais couper un petit bout. Et vous voyez comment elle est magnifique. Là, vous voyez comment elle se laisse faire. La régale. Partagez et de liker si vous aimez. Sinon, à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien et couvrez-vous parce qu'il y a un de ces rhumes qui se transmet en ce moment. Je vous dis pas. Donc, voilà, c'est contagieux. Même ceux qui ne tombent jamais malades, ils l'attrapent. Donc, voilà. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Likez.